Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the... Bonjour et bienvenue sur Révision Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avec les journées qui raccourcissent, mais aussi et surtout le froid polaire qui est arrivé depuis quelques jours, nous n'avons qu'une envie, nous installer confortablement dans nos ateliers pour créer avec une bonne boisson chaude. Ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il vous faut. En effet, je vous propose de confectionner avec moi aujourd'hui une jolie petite pochette cadeau, extrêmement facile et rapide à confectionner et qui fera un petit cadeau très mignon à offrir à nos proches en toutes occasions. C'est en effet un petit cadeau qui pourra être transmis par courrier ou encore offert en main propre à l'occasion d'une visite à nos proches à l'heure du thé ou du café. En effet, cette petite pochette contient à l'intérieur un sachet de thé, mais également une cuillère en bois que nous allons par la même occasion décorer pour en faire un joli petit cadeau très précieux à offrir. Voici comment se présente notre pochette vue d'un petit peu plus près. Nous retrouvons la place intérieure qui nous permet d'accueillir des petites surprises. Ici, un sachet de thé et la cuillère qui va avec. Il ne reste plus qu'à installer le tout dans une jolie tasse pour un petit moment cocooning. Et avec ces températures fraîches du moment, nous n'avons aucun mal à nous projeter. Et nous retrouvons ici sur l'avant ce qui fait toute la beauté et la décoration de notre projet, cette superbe étiquette avec au centre le joli message « Tu as toute ma gratitude ». Donc, si cette jolie pochette cadeau vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement pour un petit moment d'évasion et de créativité. Réalisé ici en couleur bleu nuit. Aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer couleur et nous allons le réaliser en couleur cuvée de cassis, un très joli violet que j'adore utiliser à l'occasion de la saison automnale. Et pour pouvoir réaliser notre joli projet du jour, nous n'allons avoir besoin que d'un seul et même morceau de papier uni et qui devra notamment mesurer 16,5 par 23,5 cm. Évidemment, pour pouvoir décorer notre pochette, nous allons avoir besoin d'une collection de papier à motifs et notamment une toute nouvelle collection du catalogue automne-hiver. Je vous la présente plus en détail. Comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons aujourd'hui utiliser cette superbe et nouvelle collection du catalogue automne-hiver qui se nomme Hiver Royal, dans des teintes très chaudes, avec la couleur cuvée de cassis, bleu nuit ou encore cerise carmin sapin ombragé, avec de jolies fleurs, une collection qui change complètement de ce qu'on en a l'habitude d'utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année, et entre nous, je la trouve idéale pour cette saison automnale. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de nous retrouver ensemble autour de cette collection pour nos projets de fêtes de fin d'année, avec des créations dans le style givré. Vous le verrez, cette collection de papier à motifs nous réserve de belles surprises. Pour ma version précédente, j'ai utilisé cette feuille de papier juste ici, avec notre fond en couleur bleu nuit, et toutes ces fleurs et ces feuillages absolument magnifiques. Aujourd'hui, pour notre nouvelle version du jour, nous allons changer de papier, et nous allons utiliser exactement le même, à quelques détails près, toujours avec nos fleurs et nos feuillages, mais cette fois-ci en couleur cuvée de cassis. Et pour pouvoir décorer notre projet du jour, encore une fois, nous n'allons avoir besoin que d'un seul et même morceau de papier à motif, et notamment d'un morceau de taille 10,4 par 15,9 cm. Nous avons déjà tous les éléments pour confectionner notre jolie pochette. Je vous propose cette fois-ci de passer à la première étape.
Tout d'abord, et comme d'habitude, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre morceau de papier de base, pour moi en couleur cuvée de cassis, qui mesure 16,5 par 23,5 cm. En effet, nous allons devoir réaliser deux marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, nous allons réaliser une première marque à 1,5 cm. Et ensuite, une seconde marque de plis à 12,5 cm. Une fois que ces deux marques de plis sont faites, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier. Nous le reprendrons par la suite pour réaliser notre découpe en diagonale afin de pouvoir ensuite former notre pochette. Une fois nos marques de plis faites, nous allons pouvoir les marquer correctement à l'aide de notre plioir, la première et la seconde, afin d'obtenir la forme de notre pochette. Une fois que ceci est fait, nous allons devoir nous occuper de couper, retirer une partie de ce morceau de papier afin de pouvoir obtenir ensuite notre pochette avec l'avant en billet qui nous laisse ainsi apercevoir une partie de l'intérieur. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier afin de réaliser au préalable un petit repère. J'ai donc positionné mon morceau de papier devant moi dans la longueur avec la petite bande de 1,5 cm ici sur ma droite. Et je vais devoir réaliser un petit repère ici sur le haut et sur la droite à 6 cm. Donc je me positionne dans l'autre sens afin que ce soit plus facile pour moi et je réalise un petit repère à 6 cm du bord haut de notre morceau de papier dans la petite colonne de 1,5 cm. Une fois que ceci est fait, nous allons reprendre notre coupe-papier afin de couper en billets. Je vais simplement partir de ma ligne de pli ici au centre et je vais couper en billets pour rejoindre notre petit repère afin de retirer toute cette partie juste ici. J'ai donc pris mon coupe-papier devant moi et je vais positionner ma marque faite au crayon de papier, ici sur ma ligne de coupe sur le haut, mais également ma marque de pli ici sur le bas. Et une fois que je suis bien placée, je viens couper. Afin d'obtenir ceci. Et si je retourne mon morceau de papier dans l'autre sens, que je replie mon petit rabat sur l'intérieur et le tout sur la droite, comme vous pouvez le voir, nous obtenons en un tour de main la forme de notre pochette avec cette fois-ci notre coupe en billets. Une fois que nous avons la base, la structure de notre projet, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Et cette fois-ci, nous allons nous occuper de notre panneau de papier à motif que nous allons coller ici sur la partie avant, mais également sur l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, pour pouvoir coller ce panneau, nous allons devoir le découper au préalable, en billets également, pour qu'il épouse la forme de notre pochette. Et justement, pour savoir exactement comment couper notre morceau de papier, nous allons le positionner sur notre pochette, ici sur l'avant, au centre, en laissant la même largeur tout autour. Je le positionne dans le bon sens, au format portrait. Et je vais simplement réaliser un petit repère sur le haut et sur le bas, à quelques millimètres du bord de ma bande en billet. Vous le voyez, elle est ici. Et je vais faire un petit repère ici à environ 4 mm, 4 à 5 mm du bord de mon morceau de papier en billet sur le haut et sur le bas. Et je vais ainsi pouvoir couper en billet en rejoignant mes deux repères et en positionnant mon morceau de papier dans mon coupe-papier pour avoir une coupe parfaite et qui soit ainsi parallèle à la précédente. Et vous ne l'apercevez très certainement pas à la caméra puisque mon papier est assez foncé, mais nous retrouvons bel et bien nos deux repères qui ont été faits de chaque côté. J'ai donc pris mon coupe-papier devant moi
et je vais pouvoir repérer à nouveau les repères que j'ai fait précédemment, ici d'un côté et de l'autre côté, et je vais les positionner sur ma ligne de coupe et ensuite couper pour retirer toute cette partie afin d'obtenir ceci. Et nous avons désormais la forme exacte qui va correspondre à notre pochette. Attention cependant, je vous invite à garder précieusement la deuxième partie que nous allons pouvoir coller à l'intérieur de notre pochette. Je mets donc de côté mon coupe-papier et je vous montre plus en détail. J'ai donc repris notre pochette et si je prends notre morceau de papier à motif et que je le positionne ici sur l'avant, comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Nous avons bel et bien une découpe parallèle à la précédente. Je vais donc pouvoir ajouter de la colle ici sur l'arrière et fixer mon morceau de papier. Et je vais également positionner la deuxième partie. Ne vous inquiétez pas pour la partie ici à gauche qui a été retirée. Elle sera complètement invisible. Je vais ajouter de la colle et la fixer ici en laissant un petit espace sur le haut et sur la droite. Et ensuite, vous le verrez, la partie gauche sera complètement invisible. Pour autant, la partie intérieure de notre pochette sera également décorée avec le motif dans la continuité. Donc je fixe mes deux morceaux de papier à motif et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci coller et former notre pochette. Une fois que nos morceaux de papier sont collés, fixés à l'intérieur et à l'extérieur, nous allons pouvoir cette fois-ci coller et former notre pochette. Et pour cela, je vais ouvrir, je vais ajouter de la colle uniquement sur la partie basse, sur quelques millimètres seulement. Je vais ensuite replier mon petit onglet de 1,5 cm, ajouter de la colle et ensuite refermer le tout en aplatissant correctement pour que la colle puisse prendre des deux côtés. Une fois que ceci est fait, comme vous pouvez le voir, nous obtenons bel et bien notre pochette et nous allons pouvoir y intégrer à l'intérieur par la suite notre cuillère en bois que nous allons bien évidemment décorer, mais également notre sachet de thé qui va prendre place sur la gauche, que vous pouvez bien évidemment remplacer par un sachet, pourquoi pas, de cappuccino ou encore de cacao. Une fois que ceci est fait, nous allons justement pouvoir passer à la partie que je préfère, toute la décoration. Et vous allez voir encore une fois que la décoration va être simple et rapide, puisqu'elle va être réalisée en grande partie grâce au superbe cadre qui va prendre place ici sur l'avant. Et justement, pour pouvoir le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue automne-hiver qui se nomme Expression automnale. Vous l'aurez compris, une collection parfaite pour cette belle saison de l'année et où nous retrouvons sur notre set de tampons des tamponnages images, effet bois, mais également feuillage, ou encore de superbes messages, trois grands avec une calligraphie absolument incroyable, et notamment le message « Un changement de toute beauté »,« Passe une journée tout à fait parfaite », ou encore le message de notre projet du jour « Tu as toute ma gratitude ». Et pour les accompagner, ou pas d'ailleurs, nous retrouvons d'autres petits messages « Tu illumines ma vie »,« Amitié indéfectible », ou encore celui-ci que j'aime beaucoup, les feuilles tombent, mais notre amitié reste forte. Comme toujours, nous avons les poinçons qui sont coordonnés, et vous allez le voir immédiatement, l'atout principal de cette collection, en plus de ces messages très originaux, et sans aucun doute ce superbe cadre absolument magnifique, qui va nous servir bien évidemment à toutes les saisons, et pas que pour la saison automnale. Un cadre qui nous permet de réaliser de superbes étiquettes. En plus de cela, nous retrouvons du feuillage que nous allons également utiliser aujourd'hui et enfin les trois poinçons pour nos tamponnages images. Tout d'abord, pour décorer notre projet du jour,
nous allons réaliser un tamponnage message, et notamment ce message juste ici, sur du papier blanc, avec une encre coordonnée à notre projet du jour, à savoir avec notre encreur en couleur QV2K6, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bleu nuit. Une fois que j'aurai tamponné mon message, je vais avoir besoin de mon cadre juste ici pour pouvoir le découper, puisque en effet, ce cadre nous permet d'obtenir toute la partie extérieure afin d'obtenir toute cette structure juste ici, mais il nous permet également de découper la partie intérieure et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui pour avoir notre étiquette message. Je commence donc dans un premier temps par réaliser cette étiquette message et je vous retrouve juste après ensuite pour réaliser notre superbe cadre. Je positionne donc mon morceau de papier, je prends mon encre QV2K6, je vais venir simplement chercher de l'encre, puis tamponner et vous allez voir le rendu de ce message est absolument magnifique. Une fois que nous avons notre sentiment, nous allons pouvoir le découper avec notre poinçon cadre. À noter que vous avez une partie qui est plus grande que l'autre. Ici, la partie plus grande se trouve sur le bas, la partie la plus petite sur le haut. Je vais avoir besoin de la partie la plus grande pour pouvoir ensuite positionner notre cadre à l'intérieur. Et je vais simplement positionner mon poinçon tout autour en laissant à peu près la même largeur de chaque côté. Une fois notre message tamponné puis découpé, voici la jolie étiquette que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons pouvoir nous occuper de confectionner tout le cadre extérieur que nous allons confectionner nous-mêmes pas à pas à l'aide de nos poinçons. Et pour cela, nous allons tout simplement reprendre notre collection de poinçons expression automnale que nous venons d'utiliser. Et nous allons à nouveau reprendre notre grand cadre juste ici, que nous allons découper dans un papier un petit peu particulier, au même titre que les éléments qui vont l'accompagner. Ici, notre chaîne, mais également nos feuillages, celui-ci le plus petit et le plus fin, un peu plus grand, que nous allons tous découper dans un papier un peu particulier pour trancher avec notre couleur QV2K6. Et je vais notamment les réaliser dans du papier cuivré oxydé pour apporter un petit effet vieilli à notre cadre et je trouve que cette couleur se marie merveilleusement bien avec des couleurs chaudes telles que QV2K6 ou encore la couleur bleu nuit que j'ai utilisée pour ma version précédente. Donc je réalise chacun de mes éléments dans ce morceau de papier et je vous retrouve juste après pour coller et former notre joli cadre. Une fois tous nos éléments découpés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre cadre avec les attaches pour pouvoir le suspendre et l'accrocher, mais également nos deux jolis feuillages, très fins, celui-ci tout en finesse avec nos détails cuivrés par-dessus, et celui-ci un peu plus épais, mais pour autant embossé à froid à l'intérieur. Et enfin, notre étiquette message qui va prendre place cette fois-ci à l'intérieur. Justement, nous allons pouvoir coller et former notre cadre. Ici, sur notre découpe, nous avons déjà les parties à plier qui ont été marquées. Il me suffit donc d'appuyer pour former mon cadre. Ici, pour former cette partie. Et enfin, nos deux petites attaches sur le haut. Il me suffit encore une fois d'appuyer au niveau des plis qui ont été marqués en même temps que la découpe pour pouvoir obtenir la forme de notre cadre. Avant cependant de fixer et coller, nous allons positionner notre message à l'intérieur. Je vais donc l'ouvrir, positionner les attaches à refermer ici sur la partie basse devant moi et
je vais positionner coller mon étiquette message en ajoutant un peu de colle sur l'arrière uniquement sur le pourtour et la fixer de cette manière face à moi pour pouvoir ensuite obtenir mon étiquette dans le bon sens sur l'avant de notre cadre. Donc dans un premier temps, je colle mon étiquette message et on se retrouve juste après pour fixer nos attaches juste ici avant de refermer le tout. Et une fois que j'aurai ajouté ma colle, que mon message sera fixé, je viendrai immédiatement refermer pour vérifier que mon étiquette est bien positionnée, bien centrée, afin que je puisse le bouger si tel n'est pas le cas, avant que ma colle sèche et ne prenne complètement. Une fois que mon message est fixé, collé, comme vous pouvez le voir, lorsque je replie, j'ai bien mon message qui apparaît au niveau du centre du cadre. Et cette fois-ci, avant justement de refermer, d'ajouter un peu de colle sur nos deux éléments de l'autre côté, juste ici, et de les replier, je vais auparavant passer ma petite tige juste ici et la coller de chaque côté en positionnant le crochet au niveau du centre pour pouvoir ensuite suspendre notre cadre et nous viendrons ensuite terminer avec la chaîne que l'on collera sur le haut. Et je commence par ajouter un peu de colle de chaque côté de ma tige et je viens la fixer. Et une fois qu'il est fixé, vous le voyez ici à l'intérieur, je peux refermer et je vais coller en repliant les deux parties ici sur l'arrière pour pouvoir obtenir notre joli cadre avec le message au niveau du centre. Et j'ajoute pour cela un tout petit filet de colle sur le contour de mon cadre, mais également à l'arrière de mes deux petits rectangles à replier ici de chaque côté. Une fois que notre cadre est formé, il ne nous reste plus qu'à positionner notre chaîne. Pour cela, je vais ajouter un tout petit peu de colle uniquement sur le bas et fixer ma chaîne à l'arrière de mon étiquette de chaque côté pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Et j'ajoute pour cela simplement un tout petit filet de colle. Une fois notre joli cadre collé et formé, mais également à positionner les éléments qui l'accompagnent ici sur le haut, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci le coller, le fixer sur notre pochette. Avant cela, et pour donner du volume, nous allons coller, fixer des stampings dimensionnels sur l'arrière. Une fois nos stampings dimensionnels ajoutés sur l'arrière, nous allons pouvoir reprendre notre pochette et fixer, positionner ce superbe cadre ici sur la partie avant afin d'obtenir ce magnifique rendu. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce cadre est absolument magnifique et rend chacun de nos projets complètement unique. Une fois que ce premier élément est positionné, nous allons pouvoir y ajouter nos feuillages en ajoutant de la colle uniquement pour celle-ci sur la partie centrale, puisque je vais la fixer ici sur la droite en billet. Et concernant ma seconde, je vais ajouter de la colle uniquement sur la partie basse, un mini point de colle, et la fixer ici sur la partie de gauche. Une fois nos deux feuillages collés et positionnés sur notre cadre, voici ce que nous obtenons.
Cette fois-ci, nous allons pouvoir nous occuper de l'intérieur avant d'ajouter les petites touches finales de jolis bijoux ici sur l'avant qui viendront le terminer. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais pouvoir positionner mon sachet de thé, thé de la marque Daman, de très très bon thé au passage. Je vais positionner mon sachet ici sur la partie de gauche et nous allons avoir besoin d'une petite cuillère en bois pour la partie de droite pour faire un ensemble parfait. Cuillère que vous allez pouvoir trouver à peu près partout, que ce soit en supermarché ou encore sur Amazon. Et nous allons bien évidemment décorer notre cuillère, nous n'allons pas la laisser telle qu'elle et nous allons dans un premier temps créer un nœud puis deux jolies boucles ici sur la partie haute de notre cuillère. Pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon superbe ruban à paillettes en couleur évidemment bleu nuit et métallisé doré, aujourd'hui pour être coordonné à notre nouvel projet du jour, nous allons utiliser un tout nouveau ruban du catalogue automne-hiver en couleur cuvée de cassis avec de jolies bordures métallisées dorées, parfaitement donc coordonnées à notre projet qui est dans la même teinte et c'est d'ailleurs au passage ce joli ruban que j'ai utilisé pour les cadeaux qui ont accompagné vos catalogues. Et je vais tout simplement ici, pour notre projet du jour, en couper un morceau, faire le tour de ma cuillère, un nœud, puis deux jolies boucles. Une fois notre petite cuillère décorée avec ce joli nœud, comme vous pouvez le voir, elle a complètement changé d'allure et vous allez le voir qu'en la positionnant à l'intérieur, tout de suite, le rendu est complètement différent. Et ce n'est pas tout, puisque nous allons à nouveau ajouter une petite décoration supplémentaire en réalisant notamment une étiquette message que nous viendrons fixer par la suite au centre de notre nœud. Et pour pouvoir justement la réaliser, nous allons avoir besoin d'une collection, c'est de tampons et poinçons. Je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, nous allons avoir besoin du set de tampons tout nouveau qui se nomme Saison de paix, où nous retrouvons tout plein de messages pour les fêtes de fin d'année, avec certains messages très originaux, notamment celui-ci, Partageons ces gourmandises, pour par exemple offrir une boîte avec des petites douceurs à l'intérieur, ou encore Que la magie illumine votre foyer, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête. Que la magie des fêtes réchauffe votre cœur, ou encore le petit message pour une saison de partage et de bonheur. Et parmi tous ces messages, il y en a un qui convient, je trouve, parfaitement pour notre projet du jour, le message « Partage gourmandise amour » qui va être parfait. Nous allons donc le tamponner sur du papier blanc, en couleur évidemment cuvée de cassis, et une fois que nous l'aurons tamponné, nous allons le découper pour créer une jolie étiquette. C'est là qu'entrent en scène nos jolis poinçons souhaits des fêtes, où nous retrouvons à l'intérieur tout plein d'étiquettes messages dans différentes formes et différentes tailles, qui sont parfaits puisque nous avons à chaque fois un petit trou sur le haut afin de pouvoir y passer un ruban. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui afin d'accrocher notre étiquette après notre petite cuillère. Et pour notre message ici, tout en longueur et en finesse, je vais avoir besoin de ce poinçon juste ici. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour fixer notre étiquette avant d'y ajouter les petites touches finales. Une fois mon tamponnage réalisé et mon étiquette faite, voici ce que nous obtenons avec ces trois jolis mots au centre, partage, gourmandise et amour, trois mots qui, je trouve, représentent parfaitement bien les fêtes de fin d'année. Et pour pouvoir justement accrocher cette étiquette au niveau de notre cuillère, ici sur l'avant, nous allons utiliser, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, notre méli-mélo de fil de lin en version ton naturel que nous retrouvons en couleur bleu nuit
chameau de cuivré ou encore ver jardin, trois superbes ficelles, parfaits pour cette saison automnale. Et je vais notamment utiliser la version chameau de cuivré, qui est parfaitement coordonnée à l'effet cuivré de notre projet. Je vais en couper un petit morceau, passer à l'intérieur du trou de notre étiquette et ensuite faire un double nœud, puis couper les extrémités pour l'accrocher ici en biais sur la partie droite. Une fois notre étiquette message fixée, positionnée au niveau de notre petite cuillère, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus qu'à positionner les petites touches finales. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, je vais utiliser mes jolies gemmes métallisées que nous retrouvons en petite taille et grande taille et dans trois teintes, argenté, doré et cuivré. Et pour être coordonné au côté cuivré de notre papier, je vais évidemment utiliser mes petits bijoux juste ici et je vais en fixer trois sur l'avant de ma pochette. Une fois ces quelques petits bijoux ajoutés ici sur l'avant, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour, notre jolie pochette bien garnie est désormais terminée avec notre sachet de thé, mais également la petite cuillère qui l'accompagne, coordonnée au reste de la décoration et ce superbe cadre ici sur l'avant qui fait sans aucun doute la beauté de notre projet du jour. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur bleu nuit, ou notre version du jour, elle, en couleur cuvée de cassis. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.